Hey, salut à tous les amis, c'est Coco qui plaît, une bonne année, bonne santé et tout ce qui en suit. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait de très bonnes fêtes. Moi ça va à peu près si je n'exagère sur une. Et donc on va commencer un nouveau jeu, un nouveau let's play sur... un nouveau playthrough sur Game Dev Tycoon, qui était le coup de cœur de ces vacances. Vu que j'y ai passé 8 heures en quelques jours. Alors donc... vous voyez, ça c'est ma partie, on va pas jouer sur cette partie, hein. Vous pouvez voir, donc j'ai plein de pognon, je viens de faire 7,5 millions de ventes, etc. Plein de points partout, j'ai des spécialistes partout, j'ai ma quatrième console, etc. Donc nous ce qu'on va faire, c'est je vais sauvegarder cette partie et on va en créer une nouvelle. Donc alors, skip tutoriel, non, j'ai pas vu de tutoriel, ok, ça c'est cool. Alors on va faire Call Cookie, alors on avait dit Call Cookie, ce que j'avais déjà tenté de faire au début de cette vidéo, mais j'ai raté. Donc Colcocorp, voilà, c'est ça. Voilà. Non, il n'y a pas Colcocorp, mais Colcocorp. Et Colcocipling. Non, Colcoki tout court, voilà. Alors, plaf. Oui, donc je charge ici, et moi je supprime ça, voilà. Alors, donc on va, créer un jeu. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. Donc, alors, d'abord, on choisit le topic. Donc, j'ai le choix entre plusieurs trucs. Ouh, on va déjà commencer par faire. Attendez. Ouais, on va faire un petit. On va déjà commencer par faire un easter egg. Hop, il suffit de créer le jeu Pong. Hop. Voilà, on va prendre ça. Bah, on va faire sur. Alors, de toute façon, de toute manière, ça, on va faire sur Commodore 64. En fait, c'est. On va tracer l'histoire du jeu vidéo. Donc, ça, c'est. Les noms ont été modifiés, mais ça, c'est la G64, c'est le Commodore 64. Alors, en 2D graphique V1. Vous allez voir que ça, bientôt, ça va s'animer. Donc, alors, on commence le jeu, donc on met quoi? Donc là, c'est mes trucs. Les recherches que j'ai faites m'ont permis de dire qu'il faut tout mettre sur l'engine, pas mal sur le gameplay et peu sur les histoires et les quêtes. Donc on va commencer à créer le jeu. Donc vous voyez, ces petites bulles vont se mettre sur les scores, etc. Ça me permet de voir la qualité du jeu. Ce n'est pas si le jeu sera bon ou non, mais sa qualité. Donc, alors ça, vous voyez, hop, le dialogue, on s'en fout. Dévaliser, on laisse bien. Et tout ça, interface intelligente. On continue. Vous voyez, donc les points se mettent dans les recherches, tout ça, les bugs qui seront corrigés après, la technologie, le design et tout. Alors, hop, on va mettre tout dans les graphiques. Et normalement, lorsqu'on va faire les graphiques, vous allez voir que ça va bouger. Ouais, regardez, hop. Ça, c'est un petit easter egg. Quand on crée un jeu de pompe d'action, une fois qu'on a créé les graphiques, voilà, ça commence à bouger. Hop. Voilà, donc, on a trouvé un easter egg. Donc, voilà, donc, détective, ça, c'est cool. Voilà, donc, vous voyez, maintenant, il n'y a plus de bugs. Je peux continuer et donc continuer à générer des petits points, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ici, là, voilà, deux. Un troisième, c'est bien. Voilà, ça nous fait un premier jeu, donc je vous montre mes niveaux dans les capacités où j'ai bien mis. Donc après, je relâche le jeu, c'est-à-dire je le libère. Et là, j'ai plus de pognon, donc j'attends les notes. Oh punaise. Oh punaise. Ah oui, d'accord, non. Ça fait un 7 pour l'instant. 7, oui. Bon bah 7, ça fait 7 de moyenne. C'est bien comme premier jeu, je crois que le record c'est 7,25. Alors voilà, donc premier jeu corps, voilà, un time travel. Bon, alors on va attendre les ventes. Oh, je suis déjà à 5 kilos de vente, 5000 ventes comme ça. Ah non, c'est. Ouais, il est un peu raté, je trouve. Parce que normalement, on est censé. J'ai déjà arrivé de faire 10 000 en une seule fois. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà donc... Alors maintenant, est-ce que normalement, je crois qu'il m'a rapporté du pognon. Hein. Ouais, vous voyez, il m'a déjà rapporté du pognon. Donc, on va pour l'instant rechercher un nouveau truc. Donc, gouvernement, musique, transport. On va faire plutôt une simulation de hacking. Attendez, on va faire plutôt des jeux de. J'avais fait des jeux d'action pour la dernière fois. On va faire des jeux type aventure réflexion. Donc on va faire un jeu de mystère, un jeu d'aventure mystère. Donc qu'on va nommer. Alors là par contre c'est des jeux. Donc par exemple, on va éviter d'appeler donjon mystère, mais je réfléchis. Un jeu de mystère. Comment ça? The door is closed. Ça fait plutôt. Jeu d'horreur, mais c'est pas grave, on s'en fiche du nom. Hein, façon, hop, donc toujours sur aventure, cette façon c'est. Ah, ça fonctionne bien sur PC, donc on y va. Hop, toujours en 2D. De toute façon, j'ai pas encore mon propre moteur graphique qui permettra d'améliorer les graphismes. Alors, pas beaucoup sur le engine, pas trop sur le gameplay, tout dans les histoires. La dernière fois, si vous voulez, j'ai presque un niveau de retard entre histoire. Dans cette partie, je vous montrerai peut-être plus tard, mais j'ai un très bon score sur.
sur tout ce qui est jeu d'action, mais après pour ça, par exemple, l'interface intelligence, tout ça, je suis très bon en intelligence artificielle, en level design, mais très mauvais en dialogue. Donc hop, là on va faire l'inverse, on va faire des jeux type RPG, aventure, tout ça. Par contre, j'ai pas l'impression que ce soit un bon résultat, ça fait un score assez merdique. Pardon, je suis enrhumé. Le score est assez moisi, hein. Ça va peut-être pas être un très bon truc. Hop, on va tout mettre, voilà, comme ça. Par contre, j'ai un record, c'est déjà, il est mieux, en termes de design, il est mieux que l'autre. On va corriger les 5 bugs. Ok, donc ça fait 142 000, vous voyez, j'ai plein de pognon, ça va très bien ça. Voilà, hop. Ouais, nouveau record en truc. Voilà, donc alors là j'ai bien sur les graphismes, mais je suis en train de rapporter. Donc on va faire ensuite un RPG. Pour cela, on va peut-être rechercher un new topic. Donc ouais, tant pis, on va faire post-apocalyptique. On peut faire du RPG avec du post-apocalyptique. Alors, donc moyen. 6, 7, c'est pas mal ça. Non. Ouais, voilà, donc sur du 6. Wow, c'est pas mal comme des premiers jeux. Hein. Voilà, comme premier jeu, c'est pas mal. Hop, bien. On va découvrir. On va rechercher le. Voilà. Alors, donc ça, c'est la partie histoire. Donc, alors, ils disent que la. Que le Govodor G64. Ah, je rigole. Normalement, c'est Commodore, mais bon. Est en train de piquer des profits sur le secteur du PC avec un plus prix faible, meilleur hardware et tout ce qui en suit. Bien. Ils disent que ça va être bientôt la fin des PC. Voilà. Alors, ça, c'est assez rigolo. Enfin, il y a quand même des trucs comme ça. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que ce jeu se vend moins que l'autre. C'est pas grave. On va faire un RPG post-apocalyptique. Alors voilà, il suffit simplement d'aller faire New Game. Post-apocalyptique. RPG. RPG, il est bon sur PC. Hop. Donc allons-y. Météorite. Hop. Parce qu'on ce serait, on aurait été détruit par une météorite. Météorite. Voilà. Toujours en 2D. Parce que ça sert à rien de faire en fait texte basé. Ça permet d'économiser 5K. Mais ça sert strictement à rien parce qu'on y perd beaucoup en technologie. Bon, ça a l'air pas terrible comme combo. Hein. Alors voilà, comme ça. Vous savez quoi, on va encore réduire l'engine. Après, je ferai des recherches sur les. Je ferai des recherches sur mes jeux une fois que j'aurai le deuxième niveau. C'est-à-dire le deuxième bureau. Hop, dialogue tout ici. On va peut-être un peu des design, allons-y. Alors, il a pas l'air très bon ce jeu. Hein. Je vais pas critiquer en termes de score, je suis en dessous de l'autre. Je suis presque à 10 000 ventes. Enfin, j'ai pas été allé aux 10 000 ventes comme la dernière fois. Donc, hop, ça réduit un peu. Voilà. Tout sur World Design. Alors, Nivento va bientôt commencer une console avec le très bon Dinky King. Haha, je rigole bien. Donc, blablabla. Il y en a qui doutent que les consoles vont s'en sortir. Mais on va voir s'ils veulent bien regarder ce que Nito va fabriquer. Alors, quand il se gratte la tête, c'est qu'il réfléchit. Donc, ça n'avance pas. C'est dommage. Bon. Je suis pas meilleur en design sauf si. Alors hop là, donc The Door is Closed, il n'y a plus, il m'a rapporté deux fois moins. Allez, Game Story m'a rapporté 28K. Et il m'en a rapporté 4. Ah oui, quand même, il m'en a rapporté beaucoup plus. Il est arrivé à 37, j'ai 44 fans, là j'ai tous 71. Donc j'ai 115 fans, c'est pas mal. Rien, bon tant pis, il sera pas aussi bon que l'autre. Ah si, il était bien. Bon, c'est pas grave. Je vais bientôt level up. Hop, on relays. Et on va déjà commencer une recherche ou autre chose. Oh, un jeu d'horreur. C'est bien ça, les jeux d'horreur. Allons-y. Moi, pour ainsi dire, le premier jeu à m'avoir dépassé les 10 millions sur ma partie précédente, c'était c'était un jeu d'horreur. Par contre, à chaque fois, les premiers jeux à dépasser le million de ventes sont toujours des jeux de simulation. C'est super bien. Ah, pas terrible. Vraiment pas terrible. Ok. Ça aurait pu être pire, hein, vraiment. Parce que le post-apocalyptique et RPG, je sais pas. Bon. Alors, donc là, les jeux d'horreur, ça c'est les jeux d'aventure ou jeux d'action. Donc ça c'est les contrats, c'est vraiment pas important. Voilà, donc je vais pouvoir faire un jeu d'aventure et d'horreur. Bien. De toute façon, on va faire sur G64, voilà. Alors, je vais vite utiliser les noms de jeux qui existent vraiment. Donc, comme jeu d'horreur sympa, bah The Door. La porte. Voilà. C'est tout. La porte. C'est des jeux, généralement, quand je fais un jeu qui s'appelle The Door, il fonctionne bien. Donc ça, c'est la test qui a été annoncée, donc c'est assez ridicule. Donc alors, toujours, on va encore mettre moins sur le moteur, tu sais, pour avoir plus de trucs sur le gameplay et l'histoire. Dialogue, donc...
Attendez, hop, on va mettre rien sur l'intelligence artificielle et très peu sur la l'église. On va tout mettre sur les dialogues. Normalement, je suis pas censé mettre aussi peu sur des scores, mais c'est pas grave. Donc, world design, graphique, hop là, lui, on va aussi quasiment supprimer le son. En fait, là, je répartis le temps avec ces icônes là, ces petits machins. Je répartis le temps que je passerai sur chaque jeu, chaque détail, hop. Et donc, je bats un record en design et technologie. Ah non, en design, pardon. Et ça level up à max. Tout à level up, c'est bien ça. Alors, même pas d'Ika lui aussi. C'est pas grave, moi j'ai un autre jeu qui sort. Qui a l'air mauvais. Bah non, pourtant. Ah, lui il a l'air mieux noté, ouais. Lui aussi 6, ouais. Et là, ça peut-être 7. Voilà. Donc, en fait, ça sort les trucs qui tournent autour qu'on peut savoir. Bien, alors on va déjà rechercher un autre topic. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a Virtual Pet. Oh, une simulation de Virtual Pet. Ah, c'est ça qui m'a fait plus d'un. Le premier jeu, sur ma première partie, ce qui a fait 10 millions de ventes, c'est ça. Alors, regardez, dedans, ils se vendent mieux. Ils se vendent mieux tout de suite. Ah, vous voyez, déjà, je suis à 10 000 cas dès la deuxième semaine. Alors, Claude n'avait jamais fait autant. Bien, pendant ce temps, moi, je fais mon Virtual Pet. Et on va maintenant faire une simulation de Virtual Pet. Et on va l'appeler. Mini-mi, mini-moi, ça veut dire c'est un petit truc sympa. C'est une simulation de. C'est un truc de. Voilà quoi. Virtual Pet, hop. En général, ça fonctionne bien les jeux de simulation de Virtual Pet. Donc en 2D évidemment. Je ne ferai pas de jeu basé sur texte, ça ne rapporte rien. Alors, ah oui, parce qu'on il faut. Voilà. Comme ça. La NES a été est sortie. Alors, tout dans l'intelligence artificielle, même si j'en ai pas fait la dernière fois. C'est pas grave. Alors la simulation est assez éloignée de n'importe quel autre style. Hein. Vraiment, si même si on fait des bonnes simulations, on fait. Si on veut faire des jeux de simulation principalement, on est emmerdé pour faire les autres jeux. Et là déjà, ça change tous mes trucs. C'est pas grave, de toute façon tout est niveau 2 pour l'instant, il n'y a pas trop de différence. Et donc ça a été un jeu qui va battre mon record en technologie, pas encore en graphisme, mais de toute façon il y a très peu de bugs. Donc 14 design et technologie, c'est pas mal. Un nouveau record en technologie, donc voilà. Alors, bon, 8, 9, peut-être, 7, 8, pas 7, pardon. Bon, bah ça va, ça fait une bonne note, ça, 7,25, c'est pas mal. Bientôt, je vais pouvoir faire. Bah, attendez, je vais faire un generic game report qui va pouvoir faire de la recherche et donc de pouvoir développer des custom game engine. Alors, pendant que ça se vend, moi je fais mes recherches et ça permet d'augmenter mes. Vous savez, les petits trucs là qui me disent si je dois en mettre ou pas, des trucs bien. Pardon. Time travel, ok, ok. Gameplay, c'est pas important. Ce que je voudrais, c'est comment jouer et est-ce que j'ai très peu d'informations sur les aventures, les jeux d'aventure et les jeux de RPG. Vous voyez, je récupère des points de recherche. Et ça m'arrange parce que. Alors, ok, les gameplay c'est pas bon, c'est cool. Hop là. Météorite. Bon, j'ai le poster pour l'équiptique. Je suis désolé de me renifler. Hein. Je ferai mon game engine plus tard. Alors, attendez. C'est quand même ok, great combinaison. Ah bon, ouais, engine c'est pas important, oui d'accord. Hop, the door. Oui, donc en fait, les trucs qui arrivent par là, vous pourrez regarder sur le côté, c'est les semaines. J'ai vraiment par semaine en fait. C'est déjà la deuxième, la première, j'ai déjà plus d'un an mon truc, donc bon. Ok, ça c'est cool. Et on va faire le dernier. Et on pourra faire les recherches de. Les recherches du. Du propre moteur graphique, donc alors recherche, hop, custom game engine, voilà. Ça permettra de développer le premier moteur de jeu. Et alors, en parlant de ça, vous voyez que je suis dans un garage, c'est ma bagnole qui bougera pas, tu sais. Et j'aime beaucoup mon perso, ce qui ne change pas durant toute la truc, alors que pourtant, dans mon jeu, normalement sur No Gaming, j'ai mon truc, ça fait 60 ans qu'il n'a pas bougé, quoi. Je pourrais faire mes recherches sur. Monosound et Game Tutorial, donc j'ai suffisamment de points de recherche pour pouvoir faire les deux et commencer directement à créer mon propre. J'aime bien la manette de la NES, c'est tellement mieux qu'un keyboard, donc au bûcher. Bien.
que je continue à faire mes recherches, je vais pouvoir créer mon petit moteur graphique. Et ce que j'aime bien au moteur graphique, ce que j'aime bien faire les moteurs graphiques, c'est leur donner un nom assez classe, mais qui est c'est très simple. Par exemple, j'ai déjà ma première idée pour le premier, vous allez voir. Voilà. Ok, donc, créer moteur graphique, voilà. Et on va l'appeler Condor. Parce que c'est classe un Condor. Hop, on va tout activer, tout ce qu'on peut. Pour l'instant, on peut tout activer. Monosound, allez, on y va. Un petit moteur à 150 000. Hop, il n'y a plus qu'à le créer. Voilà, il faut simplement remplir ces trucs. Mais c'est, je clique sur rien, moi, il faut juste attendre. Ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement fun quand même. Regarde sur quoi je travaille actuellement, c'est beaucoup les graphismes là qui me font améliorer. Histoire linéaire. Parce que le jeu est entièrement en anglais, je ne mettrai pas de patch en français, hein, pas question. Histoire linéaire, toujours. Les jeux tutoriels. C'est toujours pratique un tutoriel. Hein. Une sauvegarde. Parce que ça aussi c'est important. Donc alors, oui, donc ça va être pour le... C'est, ouais, c'est Target Audience. C'est pour savoir si c'est pour les gosses, les tout le monde ou pour les vieux. Oui bah attends, attends le truc, n'oublie pas de créer des propres moteurs de jeu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, enculé. Je suis en train de créer le Condor, bien. Voilà, donc Condor est prêt. Je vais pouvoir faire d'ailleurs, grâce à ce que j'ai gagné en faisant le moteur, je peux... Hop. Des zombies, oh non mais non, ça va pas me faire des... Oh attendez, un jeu de stratégie, si... Non tant pis, on va refaire un jeu, on va refaire un jeu ARPG de... ARPG de... ouais, mode post-apocalyptique, c'était bien ça. Alors, oui, donc c'est bon, pardon. Hop, donc ma plateforme, c'est toujours. Alors là, par contre, c'est, vous voyez que c'est. La poupée, d'ailleurs, j'ai tout dépensé. Donc il va falloir que je fasse. Que je fasse gaffe. Donc on avait dit RPG, donc allons-y là-dessus. Hop là, sur moteur Condor. Maintenant, je peux choisir, vous allez voir. Hop, je peux choisir des graphiques améliorés. Par contre, ça va me coûter cher là. Je suis con parce que j'ai plus de pognon. J'ai tout dépensé. Et j'ai oublié de nommer, mais ça c'est pas grave. Alors, ouais, on peut tout activer. Là. Là, et voilà. Donc maintenant je vais pouvoir générer plus de... J'ai plus beaucoup de pognon, hein. J'espère que ça va pas trop coûter trop cher. Aïe aïe aïe. Au moins j'ai pas encore de trucs à... Là, donc c'est comme ça, voilà. Ça va peut-être juste devrait passer légèrement sous l'argent, mais c'est pas grave, je vais pouvoir me rattraper. Et c'est bizarre que j'ai si peu de technologie. J'ai vraiment amélioré les informations. Ah, donc World Design à fond, hop, on peut activer le son mono. Allez, c'est pas grave. Normalement, je peux passer jusqu'à moins 30, un truc comme ça. Moins 50, ça va. Et alors, je demande quoi faire. Vous voyez, hop, je bats des records en design. Grâce à mon nouveau moteur. Donc, on va renommer par contre le truc. On pourra le renommer, vous inquiétez pas. Dès que je fais vite, allez. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler? Cyberpunk. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis un B majuscule. Hop là, release game. Voilà. Alors j'espère... Maintenant il faut pas que je crée le jeu parce que j'ai plus de pognon de toute manière. Oh, il a l'air pas spécialement bien noté, mais bon, ça pourrait... Mais je vais peut-être pouvoir me rendre plus foufou avec ça. Hein. Ah, 9. Ah, ça c'est cool ça. Voilà. Ça fait un bon jeu, ça permet de me renflouer. Et ben voilà, regardez, 35 000 d'un coup. Et ben écoutez, moi je vais vous laisser là, mes amis, parce que ça fait déjà un petit moment que ça tourne. Donc, je vous laisse sur, après avoir créé ce jeu Cyberpunk, donc, je ferai des épisodes de... je pense que je ferai des épisodes de... oh, regardez, c'est une surprise, ben, c'est vrai que ça fait beaucoup de ventes, ça, je vais bientôt être à 50K. Donc, nous disions que... que ça va être au moins... peut-être... J'ai essayé de faire deux épisodes par semaine, mais je garantis rien, donc... il y a bientôt une nouvelle série avec mon copain Juju. Je suis en train de travailler sur l'intro. Et donc, je vous laisse et salut à tous!